Un bonbon, un coup de couteau. Le top 5 des boogeymen. Numéro 5, vendredi 13. Il ne fallait pas laisser le jeune Jason se noyer au camp de Crystal Lake. Bah oui, laisser un gosse se noyer, c'est pas bien, c'est sûr. Non mais avec celui-là, c'est encore pire, parce qu'il revient 23 ans après pour buter tous les monos un vendredi 13. Oh merde. Quoi? Bah on est vendredi aujourd'hui. Oui, mais pas 13. 31, c'est 13 à l'envers. Attends, je vais fermer la porte à clé. Numéro 4, Massacre à la tronçonneuse. Ce film, c'est un peu une leçon de vie en fait. Oui, ne prenez pas n'importe qui en autostop. Ne rentrez pas dans une maison abandonnée pour demander de l'aide. N'essayez pas de négocier avec ce mec appelé Laserface, qui court après vous avec une tronçonneuse. En fait, pour simplifier, ne mettez pas les pieds au Texas. Numéro 3, Les griffes de la nuit. Freddy Krueger, le croque-mitaine, le type brûlé avec son chapeau et ses griffes, eh, ça te dit quelque chose? Bah oui, bien sûr. J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit pendant une semaine après avoir vu ce film. Ah bah justement, c'est le meilleur moyen pour lui échapper. Comment ça? Eh bah il utilise tes cauchemars pour te tuer. Donc si tu dors pas, il peut rien faire le mec. Ouais, c'est une solution qui a ses limites quand même. No one knows where it came from or who it will visit next. Nancy? Something wrong with you, you're imagining. Numéro 2, Scream. Le tueur de Woodsboro est tellement fan des films d'horreur qu'il a imaginé un petit jeu. Pas de nombre limite de participants, un seul accessoire, un couteau. Et le but du jeu? Bah survivre. Et y a pas d'autres règles? Bah si, plein. Ne répondez pas au téléphone. N'ouvrez pas votre porte. N'essayez pas de vous cacher. Numéro 1, Halloween. Et on termine avec le roi des boogeymen. Sa majesté, Michael Myers. Le type increvable par excellence. Par contre, pour lui, ce sera un jeu d'enfant de vous tuer. Donc comme ce soir, c'est Halloween, on voudrait vous donner un petit conseil. Restez chez vous, n'ouvrez à personne, gardez vos bonbons pour vous, et surtout, surtout... Souvenez-vous de Michael Myers. De ce visage lisse et pâle. De ce masque inexpressif, derrière lequel se cache la peur. L'horreur.